suite à nos rencontres avec le commissaire électoral, qui est très positif. Nous aussi, il y a un bureau politique bien urgent. Nous avons contacté tous nos membres et nous venons avec nos propositions. Ouais, nos propositions, nous suggérons plutôt pour le rapport que le commissaire peut faire pour envoyer le président de la République et Paul au cabinet. Alors, nous avons envoyé plusieurs points. Nous sommes contents qu'il y ait un représentant SADC qui vienne observer nos élections. Quand il y a une élection générale, on trouve un représentant à l'extérieur qui vient observer. Nous nous faisons dire et nous faisons mettre le point sur les i de nous maintenir vis-à-vis d'un supervising, de superviser, pas observer. Alors, il y a observé avec un rapport. Nous sommes contents qu'il va avoir une supervise cette élection-là pour qu'il y ait des doutes dans l'opinion publique qui l'élection fin déroule free and fair. Alors, ça que nous puissions concentrer là. Et pareil, comme les commissaires de nous, il y a une recommandation ou pas. Mais il y a un problème, main power. Nous nous disons, faire une formation avec ce civil servant-là, donner un cours, un mois, donner un certificat. Capable de motiver, pour capable de donner un coup de main, gagner une power pour capable faire counting le même jour. Alors nous gardons dans la même direction, nous d'accord qu'il faut faire counting le même jour. Si pas capable, au cas où une boîte bisait déplacée à la demande de l'école centrale, comme le secrétaire vient de dire, bisait filmé et aussi mettre un GPS. Right? Mais malheureusement, et là, bon, beaucoup de membres, de partis politiques qui viennent, viennent voice out, viennent dire leur opinion. Mais nous pensons qu'il n'y a pas pour cette fois-ci qu'il y a un counting, parce qu'il y a une recommandation bizarre au président de la République. Le président de la République a envoyé ça au gouvernement, amène ça au cabinet, il est là pour mettre un règlement. Right? Mais il n'y a pas pour cette année-là, nous pensons, d'après nos analyses qui nous font causer. Mais pas à l'année-là qu'on a une élection, mais la prochaine fois, mais bien faire vite, nous accélérer, qui met ça dans une recommandation, un règlement qui va passer. Alors voilà, nous avons quoi que nous voulons faire, nous, au niveau de Voice of et qu'il y a une élection free and fair, et que nous pouvons veiller que la population peut avoir doute de la tête, qui est perdu, boîte perdu, mais non, pas là. Alors c'est une rencontre très cordiale, nous finalement une nouvelle idée, alors, bizarre capable de faire un travail pour le pays qui aussi gagnant, et qui est étranger, qui observe l'élection de Maurice. Il n'y a pas de doute, tout déroulant. Voilà, le secrétaire vous dit des mots. Et nous, je viens de tenir un niveau de politique, et c'est nous aujourd'hui même là, et nous remercions le commissaire qui fait accueillir nous, et qui explique nous une affaire qui est importante. D'ailleurs, nous avons fait 2004, Paul Béranzen, qui propose une affaire, ça dit qu'il n'y a pas de Maurice Pouchiké, et voilà, ça a une raison en vigueur. Nous nous voulons dire qu'il dans sa camion, quand Pierre prend boîte pour faire counting, bizarre, il y a ben, d'ailleurs un sac porté sur tout le monde, mais bizarre aussi une caméra filmée. Et quand on cause GPS, d'ailleurs, mon corps en poulain, ex-ministre qui propose ça la fois dernière, et qui s'est allé, GPS est important, pas juste dans la caméra, dans la boîte là aussi. Pour qui compte dire quand nous avons dit boîte perdue, tu vois là, et vraiment de lui faire confusion, il y avait une rimeur qui partait à l'ONU, il disait pour courir, ils en avaient moi, ils en avaient ça pour moi. Si il y a une élection qui compte dans l'école, pour ça que l'école, il y a là définitivement pas prêt à ça. Bon, cela, pour vous en avez tout, il y a besoin de filmer, il y a besoin en direct. C'est un problème parce que sa classe pour compter, comment vous filmez dans sa classe, là, vraiment, il y a un problème. C'est à cause de ça que vous pensez, vous êtes transporté même, c'est moi, bien avec sécurité, avec caméra. Avec tout un agent politique ensemble qui pouvait être. Et puis qui peut dépendre de dérapage. Et nous souhaitons qu'il y ait l'élection de votre vie. Oui, c'est très important parce que la population peut croire, la perception peut croire qu'il peut y avoir un counting CND. Right? Il faut nous éclaircir ça parce que nous, avec nos discussions, parce qu'il faut envoyer ça président de la République. Dans nos constitutions, pas dire qu'il faut compter CND. Alors, recommandation du commissaire électoral par le président de la République. Le président de la République m'a envoyé ça au cabinet. Alors, ça qui nous fait l'appel avec le gouvernement, si tout le monde parti politique et la volonté, nous devons bien vite
Les recommandations, même pour pas cette fois-ci, prochaine élection générale qui prenant, il est capable vraiment de rien faire. Alors, nous soulignons le supervising, je supervise nos élections, pas observer. Ben, l'étranger est bien venu, bien à l'espère, alors c'est ça qui est nos recommandations et nous fermons là. Right? Et si tu n'as pas de rajouter. Vraiment, vice-président, c'est quelqu'un de fille qui a dit beau. Nous, d'une ville là, elle rencontre avec le conseil électoral, bien cordial, et nous, c'est qu'il y a doute d'attention. C'est notre but principal. Alors, nous faisons le proposition qui est commissaire, il a créé tout là. Et j'espérais que ça a pu passer. Right? Et dans la ville, il faut souffrir. C'est tout. Merci. 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 Merci.